le grand-père de mon père, qui s'appelait Abdallah Lefnaoui, s'est trouvé pris dans la corvée du creusement du canal de Suez, où il a participé donc manuellement à creuser le canal, et il a fui à ce moment-là. Il s'est installé dans un autre village du Delta, près de Zaghazi, et il a fondé sa famille, et c'est là que mon père est né, 48 heures avant la nationalisation. Nasser fait appel à lui, il avait une plantation près d'Alexandrie. Il envoie le chercher, il est ramené par avion spécial, et il se retrouve dans la maison de Nasser, et il s'assoit, il passe toute la nuit assis par terre, avec des papiers à droite, à gauche, et il lui dit « Maintenant, tu vas tout me raconter depuis le début. » Il dit « Le début, c'est quand ?» Il dit « Bonaparte. Tu me racontes, je veux savoir tous les détails. Bonaparte, de Lesseps, tous. Qui a fait quoi ?» Alors, il passe le temps. Et au petit matin, il dit « Maintenant, tu me rédiges l'acte de nationalisation avec le langage juridique qu'il faut. » Alors, dans l'acte, très bien précisé, président de la République déclare la nationalisation de la Compagnie universelle du canal de Suez, société anonyme égyptienne. Donc, société anonyme égyptienne, ça ne veut pas dire que la compagnie devient société égyptienne. Non, c'est qu'elle a un statut de société égyptienne. Et donc, elle est nationalisable. Mon père m'avait très bien dit en 52, quand je suis retourné, il m'a dit, de toute façon, le canal de Suez, il n'ira pas jusqu'en 69. Je pense que beaucoup de gens se rendaient compte, mais ne voulaient pas le croire. Mais ils sentaient très bien que ça ne durerait pas. Pas possible. مبدأ 16 قال بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فإنها تخضع لقوانين البلاد وعرفها. هل خضعت فعلا لقوانين البلاد وعرفها؟ لغاية دلوقتي لم تخضع لقوانين البلاد ولا عرفها بل تعتبر نفسها دولة داخل الدولة. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية ما كانش حد يعرف عن التأميم إلا ثلاث أشخاص محمود يونس عبد الحميد أبو بكر محمد عزت عادل أنا كنت مدير مكتب محمود يونس ولا أعلم حاجة عن التأميم إلى أن في يوم ركبنا العربيات وتحركنا إلى الإسماعيلية وكل واحد فينا معاه جواب وهنسمع الخطبة بتاع جمال عبد الناصر وهو بيقول فرديناند لسيبس مجرد ما يوصل لكلمة فرديناند لسيبس نفتح الجواب وننفذ كل واحد المهمة اللي عنده كان ان احنا هنخش مراقبة الملاحة اللي في الإسماعيلية يعني اهم حدث في هذا الموضوع هو التأميم وبعدين انسحاب المرشدين الاجانب منها برضو حدث وان يجي الضباط البحرية المصريين دي ثلاث احداث انا بعتقد ان هي اثرت في وجداننا وليلة تعرف ان الكنال اللي اتحفرت بالصخره يعني مات فيها اسمع على حوالي 100,000 فلما بترجع لك ده بتعتبر انك انت رجع لك حق يعني واخده بالك فدي برضو من الحاجات اللي هي كانت اثرت في وجدان الناس والناس فرحت واتبسطت لكن طبعا جه الحرب 56 هي اللي ايه Les Français, les Italiens et les Anglais, une fois qu'après la nationalisation du canal,
qu'est-ce qu'ils ont fait, la France et l'Angleterre, surtout l'Angleterre et la France et l'Italie, ils ont dit aux pilotes, italiens, français, anglais, partez et quittez le canal, avec l'espoir que le canal allait fermer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes, il n'y avait que les Grecs et quelques Égyptiens. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi Nasser? Il dit comme ça, dans un mois, toutes les communautés italiennes, françaises et anglaises qui sont dans toute l'Égypte doivent quitter, avec une valise, rien d'autre. Au moment de la nationalisation, comme il était hollandais et comme il était pilote-instructeur, la compagnie égyptienne, les Égyptiens prenant les rênes, lui ont demandé de rester, oui, avec un salaire trois fois celui qu'il avait. Oui. Et il a refusé. Ah, oui. Il n'a pas voulu rester, il a dit « tous mes amis sont partis ». Moi, je veux pas rester, ce qui fait qu'il est parti et il a eu le droit au sort des autres, c'est-à-dire que tout a été confisqué. Tous les gens qui sont rentrés, donc à ce moment-là, tous les Français, il y en a eu, une petite partie qui est morte de chagrin, vraiment qui est morte de chagrin dans les deux ans qui ont suivi, qui n'ont vraiment pas pu se réadapter, qui se sont laissés filer et qui sont morts. Moi, je vois deux, trois, quatre morts autour de moi. Hein. Ce n'était pas le temps de le faire. Mais aussi Nasser, c'était juste qu'il voulait ce qu'il fait, parce qu'il n'avait pas d'argent. La Russie lui avait promis de faire le barrage d'Aswan. Les Américains, la même chose. Et à la fin du compte, personne ne lui a donné rien. Il a dit, la seule source que j'ai, pas seulement le coton que j'ai, c'était le coton, c'est la nationalisation du canal. C'est le canal qui apporte l'or. Et il a nationalisé le canal. En 1956, quand la compagnie a été nationalisée, la compagnie du canal de Suez a offert à tout le monde, mais en particulier aux Égyptiens, quasiment un pont d'or pour partir en France. Et dans notre cas, nous, mon père, on lui avait proposé donc le voyage, un emploi dans un hôpital à Paris, un appartement, enfin c'était vraiment quasiment un pont d'or. Et mon père a donc refusé et est resté ici. Même s'il y a eu certaines brimades, parce que c'était un Égyptien qui avait travaillé pour les Français. Le Français, c'est le parti principal, hein, des étrangers. 56-57, plus que 50%, peut-être 60%, ils sont quittés. Mais les pauvres, ils ont resté, comme surtout les Grecs. Les Grecs, ils étaient plus prêts aux Égyptiens que d'autres étrangers. Les pilotes grecs, quoi faire? Ils attendaient. La Grèce avait juste reçu les réfugiés de Constantinople en 1956. Comment recevoir, disons, 200 000 Grecs? Parce que c'était la plus grande communauté pour Saïd, surtout Alexandrie et Caire. Alors, pas un ordre, mais une recommandation, rester à côté de Nasser pour aider. Et ces pilotes sont restés et le canal n'a pas fermé, même pas un jour. Mais je peux dire que les compagnies de canal de Suez, il était clair. Il a dit, si les personnes qui travaillent maintenant aux compagnies de canal de Suez, ils veulent venir de quitter l'Égypte, c'est nous qui nous payons tous les droits qu'il faut prendre, la retraite et tout. Mon père, il était pilote, il était le premier pilote égyptien à la compagnie du canal de Suez. Il est entré en 1944, il est demeuré pilote jusqu'en 1954. On a évidemment écouté le discours du président Nasser quand il a nationalisé, mais notre jeunesse n'a pas saisi l'ampleur de l'événement que plus tard, quand les événements ont commencé à changer. On a vu de nouvelles personnes qui sont venues, on a vu une guerre plus tard. Alors, quand on est retourné, c'était les vacances d'été, quand on est retourné des vacances, on n'a plus retrouvé nos professeurs, nos amis qui étaient partis. Alors, on a commencé à sentir qu'il y avait vraiment une transformation. Mon père était à l'époque agent principal à Port Tawfik et c'était le plus expérimenté en matière de transit. Il a été transféré donc à Ismaïlia pour gérer le transit du canal.
On l'a très peu vu pendant cette période parce qu'il est tout le temps à Ismaïlia. On est allé à Ismaïlia en 57 après les événements. Et on a su évidemment après que le pilotage avait eu un grand problème après que les Français s'en sont retirés le 15 septembre. Mais les Égyptiens ont pu combler ce vide, si vous voulez, en travaillant beaucoup plus. أنا طلعت على أول مركب ليا مركب ألماني هانز لاين فالراجل الكابتن الألماني قال لي كابتن you are new pilot قلت له yes I'm new pilot and this is my first ship alone honestly when I start moving I lost all the boys I couldn't see the green boys or the red boys or the white boys at all But after 5-6 minutes, I start to gain confidence and I start to see the boys and we turn over, we go to the canal. مع أول ضوء لقينا في ناس على الرصيف على الشارع بينادوا بايلوت بايلوت فطلعنا لقيت محمود يونس ومعاه المجموعة بتاعته كلها والمديرين كلهم معاه La compagnie française s'attendait à ce que, quand les pilotes étrangers se retiraient, le canal va se bloquer. D'accord. Alors, il y avait les pilotes qui sont restés, ils ont fait un bon travail et le trafic a continué dans le canal. Il y avait des Égyptiens qui ont commencé après, parce que mon père était un des premiers, mais après ça, il y avait d'autres qui ont commencé à être acceptés au canal. Alors, il y avait un certain nombre à Suez, pour Saïd et Ismaïlia. Je crois qu'ils étaient au nombre de 20 ou 21 pilotes égyptiens. Je ne suis pas très sûre du nombre. Oui, mais ils prenaient le navire, le bateau de Suez, Ismaïlia pour Saïd, le même pilote, et puis ils faisaient le retour aussi. Ils ont été honorés pour ça, l'été passé, cet été-là, ils ont été honorés pour ça, et on a pris après 51 ans, ou je ne sais pas plus maintenant. Je crois que la majorité des pilotes qui se sont retirés du canal en 56, c'était les Français et les Anglais. Après 56, la marine égyptienne a commencé à envoyer des naval officers pour travailler là-bas, pour travailler au canal. Ils étaient entraînés par les anciens pilotes, bien sûr, mais ils ont continué. Les discussions de nationalisation se sont passées très amicalement, c'est le mot. Le gouvernement de l'époque, et notamment le président Nasser, avait été exemplaire en ce sens que, comme ils n'ont payé que par tranche, enfin il y avait en quelque sorte un moratoire, oui. Et bien sur pas mal d'années, d'ailleurs sur 10 ou 12 ans, et bien ils ont toujours payé à temps et rubis sur l'ongle, et chose très rare dans les nationalisations que j'ai pu connaître, oui. ils ont payé en monnaie du moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, la livre égyptienne était réactualisée et ils ont payé. أقدر أقول إن إحنا كنا ساكنين في بيت اسمه بيت أبطان قدام جنينة الباشا والجامع العباسي والحي ده كله اتحرق عن طريق الانجليز والحقيقة انه كان في تنبيهات من الاذاعة البريطانية وقتها بان احنا اهل هذا الحي نخليه على اساس كان في فوق البيوت وعلى اسطح كان في مقاومة وكان في مدافع ضد الطيران لكن معظم الاسر ما رضتش تخلي هذا المكان وقعدنا فيه لحد ما جم ودخلوا علينا وخرجونا بره وضربوا البيت من تحت بس بعد ما خلونا الرجال لوحدهم السيدات لوحدهم الأطفال لوحدهم وقدام البيت ورحلونا ومشونا ناحية معسكر كانوا عاملينه بسيط ناحية البحر
احنا كلنا كنا قاعدين في الادوار السفليه تحت في الريجوسي، وكلنا كنا سايبين حاجتنا فوق ولم يسمحوا لنا ان احنا نطلع ومن غير اي حاجه يعني الذهب. وبالمناسبه كان الزمان الاقتصاد يعني التحويشه دايما تبقى بالذهب، كان سيداتنا اي فلوس زياده في البيت كان يتجاب بيها ذهب، فدي طبعا اتثابت فوق وكانوا بدارينها، ده اللي اذكره طبعا. وبعديها لما البيت اتحرق والحي كله اتحرق وقعد 3 ايام يتحرق، يعني الحريقه استمرت حوالي 3 ايام. واحنا لما جه جدنا اخدنا ودانا البيت ما كناش بعيد عن الحرائق، كان يا دوبك حوالي 300 متر، فكنا شايفين الحرائق قدامنا. هو كان في بودره بيضه بيرشوها على السلالم وما كناش عارفين دي ايه، لكن فهمنا بعد كده ان دي اللي هو العامل اللي كان بيزود الحريق، بودره بيضة. انا طبعا كنت طفل يعني القناه 56 يعني كان عندي 9 سنين او 8 سنين. احنا في بورسعيد كان لنا وضع خاص، كان المفروض ان في كامبات الانجليز في نفس شارع محمد علي مدخل البلد ده. احنا واحنا صغيرين اهالينا منعنا نيجي الحته دي لانها خطر، شفنا الجلاء، فما فيش فتره قليله قوي ودخلنا في موجه التأميم. امتى نتلامس مع الحدث ده بشكل محسوس؟ ان بدانا نشوف في طيران نفاس بيلف فوق البلد، وفي بيتعمل زمرد الخطر الغاره. هي بتفرق بين تصرف الحكومات والعلاقات الشعبية. يعني احنا بنختلف مع دول كتير، بنختلف مع الحكومات. اذا اعتدوا علينا في الحكومة اللي اعتدت ايدن وبنجوريون ومولاه، دول الثلاثة دول كانوا ألد أعدائنا، دول اللي عملوا العدوان الثلاثي، ايدن بنجوريون مولاه. هم دخلوا من يعني الدخول المكثف من على البحر من شارع محمد علي، كان انزال في طيران دبابات اقصد يعني دخلت، ولغايه مثلا 3 ايام كده كان الطيران بيلف، ما شفتش طيران بعد كده يعني، لكن كان في شكل عام كانت الدبابات بدات تمشي، وعربيات الجيب والميكروفون يعني المواطنين، وما كناش بنفهم ايه، لكن عرفنا ان يعني ايه ان الساعه 5 ما حدش ينزل. احنا كنا بننزل طبعا، وما يعني في الشوارع ما كناش بنشوف انجليز، لكن كنا بنشوف الانجليز يعني ما شفناش طبعا فرنساويين، لان الفرنساويين كانوا في بورفؤاد. يعني بعد مثلا حوالي 4-5 شوارع كده عاملين نوع من الكمين، فجاه ما بقاش في البيت اكل الا البطاطس بس. البطاطس دي كمان عرفنا بعد كده انها لان في مركبة اتحبست، فبقت كل اللي عليها لازم ينزل البلد. في مراكب اتضربت بطيران، فكنا بنشوف ناس راجعة مضروبة وشايل حد متعور وميت. حرب 56 طبعا اول ما بدأت لما بعد التأميم طبعا فوجئنا كده بان عبد الناصر بيسد الكنال، غرق مراكب وسد الكنال، قلنا يبقى الحرب هتوقف. في طبعا في اواخر اكتوبر تقريبا بدا العدوان من الجو والبحر، ونزلوا دبابات ونزلوا بتاع ودخلوا البلد. طبعا بعد ما ضربونا بالجو وبعدين قطعوا علينا الميه، فبقينا ننزل نفتح حنفيات المطافي عشان نجيب ميه للناس يشربوا. كانوا محاصرين البلد، يعني كنا بناكل بسكويت رز وبطاطس. Ah oui, ça a été brutal. Ah, ça a été très brutal parce qu'on ne s'attendait pas à ça si vite. Alors évidemment, les Français et les Anglais, ils ont dû, on leur a fait comprendre qu'il fallait partir. Et ils sont partis. Pour ça qu'après, j'ai dit, moi, les meubles et les trucs ici, rien. Parce que je les ai vus partir avec une valise. Et après, quand on allait chez les successeurs ou pas n'importe quoi. Ah, mais c'est le tapis de Madame Intel. Ah, mais ça, c'est le... Ah oui, ben, tout ce qui était resté, ils l'ont pris. Quand il y a eu la première partie de 56, on a téléphoné à ma mère, le consulat canadien et américain. Ils ont dit,
si vous voulez partir, il y a les bateaux qui partent et vous prenez les enfants et vous partez. Ma maman, elle a dit non, je reste avec mon mari et on reste en Égypte et on est resté. C'est-à-dire, c'était un moment qui était assez difficile, mais on a dû naturellement déménager, on a été resté chez des gens. Il y avait un appartement des amis où nous étions 75 personnes dans 6 chambres. Mon père a joué un rôle dans l'empêchement des navires de rentrer dans le canal. Et c'est lui qui a fait, comment dit-on, couler les bateaux, oui. Oui, oui. Le jour où il s'éclatait la guerre de 1956, notre coopérative de magasins, ils l'ont détruit complètement. Ils l'ont volé tous. Le peuple, il est rentré dedans et il n'a pas laissé rien. Les lois qu'il mettait, Nasser, il était si dur où il ne te laissait pas avoir aucune chance, d'avoir aucune chance de travailler, de continuer. Tu devais être identité égyptien, tu devais savoir parler la langue. Chaque jour, on avait une famille qui déménageait dans tout le monde. Il y a d'abord eu la nationalisation du canal, ce qui a changé beaucoup de choses dans la situation des personnes qui travaillaient au canal de Suez. Ce n'était plus la même atmosphère. Et votre mari, pendant ça, il était avec vous C'est-à-dire qu'il a été surpris dans son travail aussi, à l'usine des eaux. Il s'occupait de l'usine des eaux à Port Saïd. Et il s'est trouvé, une fois, à un bombardement de l'usine des eaux. Tout le monde s'était réfugié dans le bunker. Les troupes avaient été parachutées et avaient occupé l'usine des eaux. C'était des Anglais, surtout des Anglais. Une fois l'attaque terminée, tout le monde est sorti du bunker et il y a eu des discussions avec les Anglais. Il a fallu s'entendre avec les Anglais pour la marche du service. Enfin, voilà. أنا بعد حرب 67 مع التهجير هاجرت مع أسرتي وبعدين اتضميت لفرقة بتعمل سمسمية طبعا كانت بنتهم مهجرين منطقة القناة كلها من السويس والإسماعيلية وبورسعيد كان لي دور مهم جدا في أثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد في شحذ همم الفدائيين والمقاومة وإن السمسمية غنت مثلا للمقاومة وهجمت فرنسا. فرنسا كانت سلبانة والإنجليز مصوا دمانا وباريس بتاخد إعانة ليه من أسهم الكنال يعني وفي أغاني كتير للسمسمية للكنال. بعد ما غادروا الفرنساويين والإنجليز المقاومة الشعبية جريت ومعهم ناس كتير من البورسعيدية جروا على التمثال وبالديناميت ثالث مرة استطاعوا يوقعوا وطبعا كان الهتاف كله إن ده يعني ممثل استعماري